Wesh les LV, comment va? Moi ça va super. Aujourd'hui sur One Piece Treasure Cruise, la version Jap. Alors, si j'ai pris cette version, c'est simplement pour vous faire profiter du Sugo Fest. Je vais faire 7 tirages, donc avec les gemmes que j'ai récupérées. C'est la version Jap, je n'y joue presque jamais. Et ça, c'est juste des gemmes que j'ai récupérées en me connectant chaque jour. Du coup, voilà, on va faire un petit tirage sympathique. Moi, je vise personnellement Moria et Perona. J'espère que je réussirai à les avoir, mais bon, j'y crois très peu puisque c'est pas une multi. Bref, du coup, on va faire ça en vidéo tous ensemble, puis voilà, c'est parti. Et ensuite, je vous montrerai la 6 étoiles que j'ai obtenue durant le dernier Hugo Fest. J'espère que ça vous plaira. Du coup, c'est parti. Allez hop. On va tirer. Hop, allez, avec de la chance. Allez, de l'or. On va voir ce que c'est. Oh, je ne me souviens plus de son nom, mais il fait partie de la Don Quichotte Family. Je sais qu'il est plutôt pas mal. Évoluer, il est même plutôt bon. Du coup, ouais, pas mal, pas mal. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce compte, vu que je m'en servirai pas, je le donnerai très certainement ou je le ferai gagner plus tard sur la chaîne. Hein, mais je vais d'abord bien le remplir et ensuite je pense que je le ferai gagner. Ah, Momonga, très très bien lui aussi. Je l'ai sur la version globale. Il est vachement cheaté, j'aime beaucoup. Du coup, allez, encore un. Du coup voilà, ouais, ce compte j'essaierai de le faire gagner, c'est vraiment une toute petite vidéo que je fais, hein. Y a rien de préparé, là je le fais complètement à l'arrache. Encore de l'or, putain j'ai de la chance. Allez hop. Oh, aux juniors, putain ça c'est bon par contre. Il a des stats, mon dieu. Des stats atroces. Allez, il nous reste encore 4 tirages, allez c'est parti. Pour l'instant on a de la chance, on tombe quand même sur des bons persos. Persos que je n'avais pas, donc ça m'évite d'avoir des doublons. Et c'est encore mieux du coup bah pour plus tard. Oh putain, je l'ai déjà. Queen. Je comprends pas qu'ils en aient fait un perso aussi, j'allais dire, aussi développé. Parce que c'est qu'un personnage finalement secondaire et donc on n'est pas beaucoup d'attaques ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment un personnage principal de la série. Ah bon, il fallait bien que ça tombe, une grise. Eh ben écoutez, Koza, mais qui est très bon pour une team sabreur, donc en le faisant évoluer... Tiens, il est déjà level max en plus. Du coup, en le faisant évoluer, ça peut être plus que pas mal. Allez, plus que deux tirages et on sera bien. Encore du gris. Ah putain, ça se fait chier. Je me souviens plus de son nom, c'est Chacal, je crois. Un truc comme ça. Peu intéressant lui aussi. Allez, dernier tirage. On croise les doigts. Allez, un peu de chance. De l'or, de l'or, de l'or. Ouais, de l'or. Bon, allez, je me plains pas, c'est de l'or. Et c'est... Ah putain, Caribou. D'accord, ben je l'avais pas. Je le connais pas du tout parce que je ne joue presque jamais à Jap. Du coup, les nouveaux personnages, je les connais pas bien. Du coup, je vais vous montrer un petit peu mes personnages. Alors, personnage que j'apprécie énormément sur ce compte, c'est tout d'abord Garp. Voilà, hein, je sais qu'il est pas cheaté, qu'il est pas non plus hyper rare, mais je l'aime bien. Genre, c'est vraiment un de mes favoris, je l'aime beaucoup. J'ai donc du coup quelques personnages bien cheatés également, comme lui qui fait partie de l'arc Dressrosa, ou encore lui qui peut être sympa. Donc, il me restait, donc j'ai également un Shanks, j'ai déjà eu directement eu le Usopp également. Et après, voilà, j'ai le Trafalgar Law, et ça aussi, j'en suis assez content. Parce que bah voilà. C'est un Trafalgar et bon, ouais, je suis grave content de l'avoir en réalité. Et enfin, ma 6 étoiles qui est Doflamingo. Voilà. Je ne l'ai pas fait évoluer, je la ferai certainement évoluer par la suite. Parce qu'en plus j'ai un banquet. Regardez, enfin, voilà, hop. Qui me permet de monter au max un de mes personnages. Et ça c'est super cool. Du coup voilà, bah écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu sur la Jap. C'était purement improvisé, je ne savais pas du tout. Quoi faire, du coup bah je vous ai fait cette petite vidéo, ça fait un petit tirage, j'avais complètement oublié la Jap. Du coup voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée et bye bye. Allez.